Unifan, nous toujours faisons une semaine scientifique. Et semaine scientifique là, toujours tombée la semaine fête drapeau avec fête université Capvini le 17 et le 18 mois, semaine ça. C'est occasion que toute université, tout étudiant yo, qui a réuni autour de un thème. Année ça, j'en étais well dans l'auditorium, le thème c'était inclusion. Ça veut dire éducation sans exclusion. Et c'est ça, c'est sous thème ça que nous rallier toute activité nous pour semaine. Je dis comme événement pour ouvrir semaine, nous avons Dr Bernard Pierre qui enseignait ici avec nous, qui est maintenant doyen de l'Université d'État haïtien, la faculté de pharmacie et médecin. Et pendant semaine, nous avons déroulé à 3h après-midi, tout étudiant yo regroupé par département. Donc il y a un tout groupe de monde qui sorti nord, Antibonite, nord-est, tout 10 départements yo, autour de un projet que yo créé ensemble avec toute discipline yo. Donc c'est un projet multidisciplinaire que yo mettait sous pied comme yo bagay yo ta suggéré pour département yo. Donc étudiants en médecine travaillent avec étudiants en faculté génie, avec faculté droit, avec physiothérapie, avec odontologie, avec infirmière, avec sciences économiques et administratives. Ils ont tout travaillé ensemble pour formuler un projet qui reflétait toute discipline. Et ils ont été encadrés par différents professeurs dans toute faculté pour réussir ça. Si vous allez sous gazon là, ou après une tente qui a une petite exposition, là, ça a commencé à faire pour semaine scientifique. Bon, c'est semaine scientifique. J'aime dire, c'est présentation. Jeudi, nous avons un présentateur. Demain, toute semaine, nous avons un présentateur différent sur un thème différent. Et pendant ce temps, étudiants yo, qui travaillent sous différents projets selon département, yo, a présenté à faire une présentation de projet. Côté, ils ont parlé de besoins département yo, et ça, ils ont même projeté comme une solution à un problème réel dans le département. Yo. Donc, semaine scientifique, là, c'est le nous bail étudiants, encadré par professeur, encadré par l'autre intervenant, pour yo montrer ça, ils ont même apprendre et ça, yo proposer avec tout ça que ils apprennent dans le cadre d'éducation, pour y faire une proposition de projet pour de ce. Non, c'est tout. Je dis en présentation, c'était sur un thème médecine. Mais c'est toute faculté qui intégré la semaine scientifique. Là. Et j'aime dire, chaque projet que chaque département fait, il y a un L médecine, il y a un L agricole, il y a un L informatique, un différent L parce que nous, ouais, que besoin, ce n'est pas seulement strictement en médecine. Il y a une dimension qui touche toutes différentes facultés et donc c'est toutes facultés qui sont impliquées. Je dis hein, c'était un thème médical, mais demain il y a un autre et après-demain c'est pour l'autre. Wow! Pendant qu'on a parlé, je crois nous commençons, nous relouvrir en 2011 et je crois que depuis 2011, nous gagnons une semaine scientifique chaque année. Il durait même semaine ça, semaine qui tombe bien. Il y a différentes activités, mais c'est vraiment une façon pour les étudiants d'impliquer plus dans la présentation, non seulement à nous-mêmes, administration, rectorat, conseil, mais à l'autre étudiant, tout pour montrer ça, eux-mêmes, apprendre, pour intégrer
connaissances vers un bagage qui est concret, qui est réel. Bon. Nous, est que nous choisissons un thème qui est très important à Drapeau. C'est un thème de unité sans exclusion. C'est pour ça que nous avons dérapé, nous avons commencé le programme aujourd'hui hein, avec chaque étudiant qui a une pancarte avec nom ou différents départements pour montrer l'intégralité de ça. Parce que vraiment, nous voulons. Signal que nous besoin bail et message que nous besoin bail, c'est une intégration de tout département ensemble pour nous joindre des solutions et des propositions via l'éducation pour qui ça nous-mêmes comme université et étudiants et comme étudiants universitaires qui bientôt près des professionnels, sa connaissance pas au poté. Non seulement pour le département, mais si chaque monde a travaillé dans le département, ça veut dire que c'est une intégration de tout département pour nous arriver à une solution pour le pays. C'est ça qui est l'innovation. L'autre année, les étudiants ont comme divisé en facultés. Donc, faculté médecine fait un bagage, faculté odontologie fait un bagage, agricole fait un autre. Fois ça, nous dit non, c'est par département. Donc, depuis le lancement de semaine scientifique, là, qui ça a un mois que nous commençons à travailler sur ça, tout étudiant nous demandait pour yo regrouper par département. Donc dans un département bien sûr ou bien ou étudiant en médecine, ou étudiant en sciences juridiques, ou étudiant en génie et ainsi avec toutes les 8 facultés. Donc c'est ça qui est innovation Anessa que nous faisons par département pour nous faire un bagage intégré pour nous arriver à une plateforme. C'est à venir, c'est ça que nous voulons. Et c'est pour ça que les étudiants ont fait ça au sérieux. Et nous projet est fini, nous prenons, nous mettons là et puis nous allons étudier pour la faisabilité, pour voir qui nous travaille vers ça. Donc, nous prenons un exemple. Par exemple, vous connaissez, nous avons une construction université, l'hôpital là, qui est quasiment fini. Là, regardez, c'est un architecte qui enseigne ici. C'est un ingénieur qui travaille ici, qui travaille sur ça. Donc, nous toujours voulons faire des projets côté nous, intégrer connaissances qu'il a avec nous dans l'UNIFA vers des projets qui amènent nous plus loin. Chaque année, nous voulons faire un événement qui baille étudiants, une chance pour yo montrer connaissances yo et pour yo mettre en pratique. Anessa nous dit, mettez expérience payo en pratique par département. Donc nous faisons chaque département regrouper, toute université regrouper en 10 départements qui existaient. Donc vous avez dans chaque département, médecine, odontologie, juridique, il y a toutes différentes spécialités pour yo ka adresser un problème spécifique à région payo. Et m'invitez-nous pour nous rester jusqu'à 3 heures parce que première présentation de un département a fait à 3 heures. Donc, ouais, qui ça a choisi? Il y a des étudiants qui choisissent que c'est l'hôpital qui est bon dans le département. Il y a l'autre qui choisit un projet agricole pour valoriser l'agriculture. Je suppose que la Thibonite choisit un bagage dans le thème agricole. Donc, c'est comme ça. Mais même ça, il y a un aspect génie, il y a un aspect administrative, économique, donc et juridique. Donc c'est ça, intégration, multidisciplinarité, ça qui vraiment à l'évidence Anessa dans la semaine scientifique ici dans l'UNIFA. Bon, j'aime dire l'homme avant que Dr Pierre t'ait parlé, nous voyons que toute université dans le pays a gagné un rôle important et clé à faire pour nous l'ouvrir. Éducation à tout pays, à tout jeune qui a besoin d'éducation, c'est obligation pas nous comme université pour bailler au moyen ça, pour nous créer un espoir, pour nous créer plus formation, pour nous créer des professionnels qui ont même des citoyens formés, disciplinés, qui ont fait réponse à besoin pays.